Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui je fais cette petite vidéo annonce de mai 2014 pour vous parler essentiellement de deux choses. Alors vous pouvez arrêter de regarder votre écran, le jeu qui tournera derrière sera uniquement là pour combler. Donc première annonce, ça concernera la Japan Expo 2014. Simplement, je ne serai pas là le samedi 5 juillet. Vous savez que j'y vais un jour par an. J'aimerais bien faire les 4 jours un jour, mais là, cette année, ça va pas encore être possible. Donc j'y serai non pas le samedi 5, mais j'y serai le vendredi 4. Donc voilà, pourquoi pas le samedi cette année? Eh bien, tout simplement parce que, pour des raisons familiales, rien de grave, je vous rassure. C'est juste que j'ai un cousin qui a trouvé rien de mieux que de se marier ce week-end-là. Et bien sûr, il faut que ça tombe le week-end de la Japan Expo. Donc je ne peux pas ne pas me permettre de pas être à son mariage. Cette phrase ne veut absolument rien dire, mais ça ne fait rien. Donc je suis obligé d'être là à son mariage, hein. C'est tout, c'est comme ça. Et donc par conséquent, j'ai posé un jour de congé et je serai en votre compagnie le vendredi 4. Voilà, comme ça, le 4 à la Japan, le 5 et le 6. En mariage, je vais être frais pour reprendre le travail le lundi, moi. Enfin bref, ça c'est déjà une première chose. Secondement, donc ça c'était pour la Japan Expo 2014, j'espère vous voir nombreux. J'ai déjà regardé un petit peu le programme, les différents stands que je verrai. J'espère croiser des youtubeurs, j'espère croiser Bibix encore cette année. Et puis voilà. Enfin bref, ensuite deuxième annonce, c'est concernant la vidéo sur l'auto-hébergement. Je sais que je fais traîner cette vidéo en longueur, mais il y a vraiment énormément de choses à dire. C'est quelque chose d'assez gros, enfin c'est surtout quelque chose qui me tient à cœur, donc je tiens surtout pas à le rater. Parce que l'auto-hébergement, je suis auto-hébergeur depuis 4 ans, bientôt 4 ans et demi. Et voilà quoi, c'est quelque chose, c'est une belle aventure que je vis. Il y a des hauts et des bas, mais je veux vraiment vous parler de ça à la perfection, rien oublier. Il y a plein de choses à parler, et puis j'ai surtout certaines mauvaises pratiques à dénoncer. Donc je vois en même temps comment évoluent les choses aux côtés des autres, entre guillemets, auto-hébergeurs, mais surtout des grandes entreprises du web. Enfin voilà, je vous garantis, quand cette vidéo-là va sortir, ce sera du lourd. Mais pour le moment, je suis très très pris dans ma vie IRL. J'ai du travail. Donc voilà, donc pour le moment, j'ai pas trop de temps à accorder à ma chaîne YouTube. Cependant, je tourne toujours des vidéos. J'ai tourné récemment une série Minecraft qui va sortir en... On va voir, parce que je sais pas si elle sera sortie d'ici là. Mais je vous prévois des trucs sympas, quelques petites séries Minecraft sur des maps aventures notamment, et une série un peu plus longue, beaucoup plus longue même, où je pense que vous allez bien me voir stressé, enfin voilà. Premièrement, puis évidemment des jeux rétro, vous en faites pas, il y a Alpha Centauri qui est en train de sortir normalement au moment où je publierai cette vidéo, et un autre jeu rétro est prévu, et entre deux, je vous prévois une petite série super sympa pour vous faire patienter de la vidéo sur l'auto-hébergement. Il s'agira, parce que j'ai terminé de... Parce que moi personnellement j'ai fini de tourner Alpha Centauri au moment où... La série sur Alpha Centauri au moment où je publie cette vidéo. Mais je vous prévois une série sur le développement web. Voilà, sur le développement en PHP, 2-3 trucs sympas à voir, et on créera une application ensemble. Donc voilà, donc ce sera une des séries qu'il y aura sur ma chaîne. Ce sera un petit peu comme ce que je faisais au tout début de ma chaîne, des tutoriels informatiques. Il y a beaucoup de choses à dire, les vidéos dureront entre 3 quarts d'heure et 1 heure et demie. Il y a énormément de choses à dire sur le développement web et il y aura certainement autant de choses à dire sur l'auto-hébergement, ou peut-être moins. Mais voilà, donc l'auto-hébergement, je prépare toujours la vidéo. En attendant, je vous mets ça pour patienter. C'est une vidéo sur le développement, comment développer en PHP. Et puis voilà. Et puis d'autres jeux sont en prévision, ne vous en faites pas, je traîne un petit peu en longueur, mais j'ai eu l'accord avec
un développeur de jeux pour faire une série. Comment? Je ferai une série sur un jeu avec vous et je la ferai en live, cette série. Ça veut dire que bah, quand je tournerai, vous pourrez également me retrouver sur Twitch pour me suivre pour une bonne heure de jeu sur le jeu que je vous présenterai. Il s'agira d'un MMORPG, ça veut dire que vous pouvez être aussi bien avec moi dans le live que dans le jeu. Et oui, ça sera un MMORPG gratuit en plus, c'est ça qui est génial. Ça va être quelque chose d'énorme. Peut-être que pour août, ça sortira. Ou peut-être mi-juillet, je sais pas encore la date. J'avais prévu ça déjà pour avril. Et puis ben finalement avec le travail, avec tout ça, j'ai pas pu. J'ai vraiment pas eu le temps de m'y repencher. D'ailleurs, je m'excuse auprès du développeur qui m'a répondu. J'avais dit que voilà qu'en avril je commencerai, puis finalement il n'en est rien et je l'ai pas prévenu. Il m'en excusera, je l'espère. Ça arrivera plutôt vers août, je pense. Vous pourrez me suivre en live sur ce jeu, ce MMORPG. Voilà. Pendant que mon chat s'exprime, c'est les différentes choses dont j'avais à vous parler. Donc, la Japan Expo, je serai là le vendredi 4 à la Japan Expo. La vidéo sur l'auto-hébergement, il va falloir attendre malheureusement. En attendant, des jeux rétro et des séries Minecraft sont toujours prévues. Et une série sur le développement PHP est en cours de préparation. Donc, et ben, sur ce, ben, et puis, c'était quoi la dernière chose que j'ai dit? J'ai pas dit une dernière chose à la fin. Oh, je sais plus. Enfin bon, voilà. Donc, et ben, sur ce, ben, je vous dis à bientôt!